La poule au pot, une recette du terroir. Plate que l'histoire a associée à Henri IV, la poule au pot appartient à la tradition gastronomique française. C'est aussi un plat sain et convivial parfait pour se réchauffer en hiver. Nous vous proposons de découvrir une recette facile pour réaliser ce grand classique. Ingrédients. Voici les ingrédients nécessaires pour réaliser une poule au pot pour 4 personnes. Un poule d'au moins 1,2 kg. 4 carottes. 4 navets. 4 poireaux. 1 oignon piqué de 2 clous de girofle. Un bouquet garni composé de céleri, persil, thym et laurier. Du gros sel, du poivre. Préparation des légumes. La poule au pot est une poule accompagnée de légumes que l'on fait mijoter à la manière d'un pot-au-feu. Il s'agit d'un plat complet qui permet de déguster à la fois la viande, les légumes et le bouillon. La première étape, qui est aussi la plus longue, consiste à préparer les légumes. 1. Peler les carottes et les navets. 2. Couper les poireaux en deux dans le sens de la longueur. 3. Laver tous ces légumes en veillant à bien nettoyer les poireaux qui peuvent contenir de la terre. 4. Vous pouvez soit laisser les légumes entiers, soit les couper en deux. Tout dépend de la taille de la poule. Si l'animal est gros, le temps de cuisson sera plus long. Dans ce cas, il vaut mieux laisser les légumes entiers. Cuisson de la poule au pot. Une fois que les légumes sont prêts, la suite de la recette est d'une simplicité enfantine. 1. Placez la poule et les légumes dans une grande marmite. 2. Couvrez d'eau à hauteur. 3. Ajoutez un oignon piqué de clous de girofle, le bouquet garni, le sel et le poivre pour assaisonner votre plat. 4. Portez à le tout ébullition, puis couvrez et laissez cuire entre 2h et 2h30. Le temps de cuisson varie selon la taille de la poule. La poule est cuite quand sa chair se détache de l'os. À noter, si vous manquez de temps, vous pouvez aussi préparer cette recette à la cocotte minute, ce qui divise le temps de cuisson par deux. Comptez 45 à 50 minutes de cuisson à partir de la rotation de la soupape. Conseil de dégustation. La poule au pot se déguste en deux temps. On sert généralement le bouillon de volaille en entrée. Après l'avoir dégraissé, on présente ensuite la viande sur un plat de service entouré de légumes. Pour rendre ce plat encore plus festif, vous pouvez faire cuire de la même façon une poule farcie.